Est-ce qu'il y a plusieurs types d'orgasmes féminins? Alors l'orgasme, c'est cette sensation extrême foudroyante de plaisir juste avant la détente. Eh bien oui, il y a plusieurs types d'orgasmes. Alors, t'es plutôt clitoridienne ou t'es plutôt vaginale? On a tous entendu cette phrase. Il y a l'orgasme clitoridien, sûrement le plus facile à obtenir par stimulation du clitoris. Il y a l'orgasme vaginal par stimulation de cette fameuse zone G. Mais il y a beaucoup d'autres orgasmes. L'orgasme des seins, par exemple. Les seins et notamment cette petite aréole, cette zone autour du mamelon est une zone très érogène chez certaines femmes. L'orgasme anal, la zone de l'anus, est aussi une zone érogène et chez certaines femmes ou à différents moments de la vie, eh bien on peut avoir un orgasme par pénétration anale par exemple. Et puis il y a l'orgasme cervical, cet orgasme profond au niveau du col utérin, cette fameuse partie profonde entre le vagin et l'utérus. Mais il n'y a pas un type d'orgasme, ça peut changer au cours de la vie et surtout orgasme n'est pas égal à pénétration. Ça, c'était l'orgasme féminin. Prochain épisode, orgasme masculin.